Demain nous appartient continue son beau parcours sur TF1 avec l'épisode événement de l'accident de bus qui a permis au feuilleton quotidien de réaliser son meilleur score depuis son lancement il y a plus d'un an. TF1 record historique en nombre de téléspectateurs pour le feuilleton quotidien à succès de TF1 qui a rassemblé 3,8 millions de fidèles, et quelques curieux, ce lundi soir pour le démarrage de son intrigue événement autour d'un accident de bus qui secoue les élèves et leurs parents. Demain nous appartient à ainsi attirer 18,3% de l'audience entre 19h20 et 19h45, arrivant en tête de la case devant le jeu de France de N'oubliez pas les paroles. La chaîne devrait également pouvoir compter sur un fort replay à J+7. A noter que la soirée a été vraiment bonne pour TF1 puisque le téléfilm Le jour où j'ai brûlé mon cœur, autour du harcèlement scolaire avec Michael Youn et Camille Chamou, a ému 6,2 millions de Français à partir de 21h10, pour une part d'audience de 25,7% sur le public global. Sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, on monte même à 37,9%. Estime moins glorieux mais tout de même satisfaisant pour les deux premières parties de la mini-série Victor Hugo, ennemi d'État sur France 2, 2,8 millions de téléspectateurs en moyenne, 11,9%. La suite ce soir. Ah.